Yo, tout le monde, c'est Just, et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15 pour un squad builder avec en grande partie des joueurs introuvables sur le marché, parce que c'est vrai, il y en a de plus en plus. Du coup, moi je me suis dit pourquoi pas en faire un petit squad builder. Alors déjà, vous voyez qu'il y a que 72 de collectif. Bon, ça c'est dur parce que voilà, il n'y a pas forcément tous les bons joueurs au bon poste pour avoir du collectif, tout ça. Donc voilà, et j'ai fait comme j'ai pu. J'aurais pu aussi mettre des joueurs à des postes qui sont pas forcément de leur, bref, voilà. Alors dans les cages, on retrouve Claudio Bravo, donc voilà, je dis pas qu'ils sont tous introuvables, je crois pas qu'ils le sont tous. Voilà, Claudio Bravo, une forme introuvable sur le marché, quoique, non, je crois qu'il y a des matas. Sinon le reste, il y en a pas, voilà. À part Mata, je crois qu'ils sont tous rares, voilà. Donc Claudio Bravo, une forme très 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 bon gardien, faut dire, normal qu'ils soient introuvables. Primax 40 000, avec de telles stats, 87 en plongeon, 88 en réflexe, 85 en dégagement, 84 en jeu à la main, 82 en positionnement aussi, qui est pas mauvais. C'est sûr que s'il y a Bravo Tots, ça sera juste un truc de fou. Donc voilà, et rien d'étonnant qu'il soit pour ce prix-là. Alors Mathieu If ensuite, il y en a eu un moment là actuellement, j'ai regardé hier, il n'y en a plus, voilà. Donc Mathieu Informe, très très jolie statistique aussi, 86 de défense, 85 de physique, on va dire que c'est les stats principales pour un défenseur central. Tout ça associé avec un 77 de vitesse qui reste assez rapide. Mathieu If, vraiment très bon, 35 matchs, une passe D, deux cartons jaunes. Donc voilà, un joueur que j'aime beaucoup. Alors lui, des fois il est rare, des fois il y est pas. Alors lui, je l'ai eu carrément à sa sortie, j'avais spammé de fou. Son prix max, c'était 500 000 crédits, je l'ai eu à son prix max. Ah, là, il y en a deux. Il n'y en avait pas, il y a encore 10 minutes quand j'ai regardé. Vous voyez, bah 58 minutes. Voilà, lui, il est parti. Lui, je sais pas. Voilà, il reste... Enfin, il n'y en a qu'un. Et la plupart du temps, il n'y en a pas. Voilà. 121 matchs, 3 buts, 9 passes D avec lui, 7 cartons jaunes. Voilà, il est très très bon. Pareil, les David Luiz, Totti, à certains moments il y en a. Là, il y a 10 minutes quand j'ai regardé, il n'y en avait pas. Voilà, il n'y en a toujours pas. David Luiz, Totti, c'est un monstre. Alors non, là, c'est pas le bug des bilans. Hein. Je tiens à vous le dire parce que maintenant, il y a un bug des bilans. Vous voyez, le Iniesta Totti que j'ai acheté il y a 2 jours, j'ai pas vraiment fait 167 matchs avec lui. En fait, ça vous rajoute le bilan aussi de la dernière personne à qui vous l'avez acheté. Lui, c'est pas un bug, j'ai vraiment fait 179 matchs avec lui. 92 buts parce que je l'ai fait jouer en BU. Faut dire, regardez-moi ses stats, 87 de physique, il vous défonce tous les autres défenseurs. Sauf si vous tombez face à un autre David Luiz Totti. Enfin voilà, il est excellent. Ensuite, en milieu droit, donc Mata, donc lui, il est pas rare. Hein. Voilà, moi je pensais qu'il était rare, mais bon. En milieu central, on retrouve Fellaini, une forme que j'avais dans un pack. 5 matchs, 0 but, 0 passe décisive. C'est sûr que c'est pas le joueur que j'utilise le plus. Voilà, il n'y en a pas sur le marché. Donc voilà, Fellaini, une forme. Donc, je sais pas s'il a augmenté en fourchette. Je crois qu'il a augmenté. Avant, ça devait être 30 000 sa fourchette. Ensuite, l'autre milieu central, c'est Arturo Vidal, man of the match. Acheté pour 850 000 crédits. Depuis, il a augmenté. Son prix max, c'est 1 million de crédits. Donc voilà. Toujours introuvable sur le marché. Toutes ses stats sont au-dessus de 81. Donc ses deux pires stats, c'est vitesse et tir, 81 et 81. Donc voilà, 60 matchs, 20 buts, 12 passes D avec lui. Il est très très bon et très complet. En milieu gauche, je l'ai acheté hier quand il était dans les packs. Ou peut-être avant-hier. Mertens, man of the match. Hein, alors lui voilà, je l'ai pas encore testé, mais il est encore à son prix max 80 000 et il est bien introuvable. Même si quand il sortait dans les packs, il y avait moyen de l'avoir. Allez. Ensuite, lui, il est dans l'équipe de la semaine. C'est Eden Hazard, son prix, il est donné de 500 000 crédits. C'est du grand n'importe quoi. Yay, voilà, hein, faut se calmer. 500 000 crédits pour un Hazard informe, c'est beaucoup trop peu. Ne vous attendez pas à ce qu'on en trouve sur un marché. Pour l'instant, 26 matchs, 28 buts, 6 passes avec lui. Donc voilà. Donc, que ce soit de mon avis ou de l'avis d'Hirtelin, dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo, on l'a tous les deux trouvé excellent. Ensuite, en buteur, on retrouve Lewandowski, in form. Voilà, introuvable également sur le marché. Sa fourchette max a augmenté de 450 000 à 500 000. Donc voilà.
Pour l'instant, on n'a fait que 7 matchs, 7 buts avec lui, voilà. Et puis lui, c'est la surprise, vous allez vous dire, mais non, lui, vous pouvez le trouver. Alors bien sûr, ça, tout ça, c'est sur le marché PS, hein. Il y en a sur le marché Xbox, ils sont même au prix mini, certains. Alien Ruben, voilà, il y en a un. Alors, je ne sais pas pourquoi, regardez le marché, en ce moment, c'est n'importe quoi. Il n'y a même plus de Ruben, quoi. Je veux dire, Ruben, il sort... Quand même, moi, je l'ai eu dans un pack, c'est pas... C'est pas un joueur hyper rare, vous voyez. Déjà, c'est un régulier. Il y a plus beaucoup de Messi, voire plus du tout. Ça dépend les moments. Voilà, il y a même plus de Messi régulier. Hein. Vous voyez, j'ai rien touché. J'ai pas mis de prime minimum. J'ai pas mis. C'est bien le Messi régulier. Et des Ronaldo, normalement, il y en a un peu plus que des deux autres. Non, même plus. Il y en a plus. Déjà que c'est galère de trouver un Ronaldo Totti. Mais alors même si vous cherchez un Ronaldo régulier, maintenant c'est chaud. Donc voilà, faites quelque chose s'il vous plaît pour que ces joueurs soient trouvables. Pareil, j'en ai d'autres dans le club. Hein. J'ai Alexis Sanchez Man of the Match qui est introuvable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Benzema, à un moment il l'était, je crois qu'il l'est plus. Parce que c'était pendant la Coupe France qu'il était introuvable. Pirlo, il a été aussi un moment introuvable. Piqué, est-ce qu'il l'est encore? Voilà, Piqué est aussi introuvable. Pareil, lui, je l'avais acheté 85 000. Maintenant, son prix max, c'est 110 000. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est rare? Handanovic, non, je pense pas. Alors, il y a Gomez SMOTM. Là, c'est le Man of the Match que j'aime. Mais le SMOTM, il est introuvable. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'exemples comme ça, hein. Je les ai pas tous non plus, même si on va dire que j'ai pas mal spam pour les avoir. Moi hier, on a beaucoup spam sur le compte. Voilà, Chicharito aussi, mon bébé, ma légende. Lui, je vais vous en faire un player review, clairement, c'est le meilleur joueur du jeu, je pense. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de joueurs introuvables. Et s'il vous plaît, faites-nous quelque chose, quoi. Allez, c'était JustDB, peace.